Hey yo, salut tout le monde, c'est Kian. Aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième partie, je crois, si je me dis bien. Ouais, c'est ça. Quatrième partie du Pokémon Sunlight, Randomized, Nuzlocke, Redfire. Non, c'est Pokémon Redfire, voilà, challenge. Donc cette fois-ci, on va s'attaquer au rival, du coup, sur le, ouais. Mont, sur le pont Pépite, et non le mont Pépite. C'est pas dans celle-là, le mont Pépite. Ah oui, du coup, on a monté nos Pokémon, je les ai mis niveau 19, je crois, moi. Et moi, ils sont à peu près tous niveau 20. Voilà, donc du coup, on va voir ce que vaut le rival. Ah là là. Fais-moi voir ce que tu as attrapé. Oh, Fortress. Fais gaffe à Explosion. Oui. C'est pas dans celui-là. Si, j'ai Phasmophobia, ça va. Latios. Oh, oh. Bélier, ça ne marche pas. Hypnose, allez hop. Abri, ça marche. Ça c'est le champ par contre, abri. Mais bon. Allez, fais... T'as réussi à tuer Latios? J'ai fait un hurlement, je l'ai viré, j'avais pas envie de battre Latios en premier. De toute façon, il le renvoie après. Ouais. Bon bah du coup, on va le fight à coup de ténèbres, hein. Hop, on va changer de Pokémon parce que monsieur ne fait que du type... j'y pense. Arcanin, tu t'as juste à faire morsure. Oui, non, mais même avec juste morsure. Il fait mal. Il me fait des vagues psy. Ah ouais, donc c'est aléatoire, la puissance des vagues psy, c'est aléatoire. Ouais. Mais là, il m'a fait un souvenir. Oh! Et là, il m'envoie un monsieur. Oui, c'est bon, ça a marché. C'est bien ça. C'est bien, Phasmophobia. J'ai un garde-voir devant moi. Ouais. Garde-voir choc mental, du coup. Ouais. Mais moi, j'ai ectoplasma ténèbres. Donc, du coup, je l'ai endormi et je. Oh non, il se réveille directement. Ah, reflet. Ah, oh, c'est lui que j'ai pas réussi à passer la dernière fois, rappelle-toi. Bah oui, un garde-voir, tu. Ah, ça va commencer. Choc mental. Oh! À ce point-là? Oui, même si j'augmente mon attaque, il m'envoie un Dracaufeu en face. C'est pas de type haut. Bon, parce que là, il va. Voilà, c'est ça. J'ai dû accélérer parce qu'il me faisait que des reflets là. Et Crapins. Bon, du coup. Sable volant des Crapins. Ah, en fait, du coup, la team, ouais, donc du coup, Mewtwo a rejoint la team. C'est le dernier Pokémon que j'ai capturé, moi. Et toi, c'était Caninos? Oui. Voilà, moi, il est battu. Le rival? Ouais. Punaise, moi, je suis arrivé à son écrapince, là. Je vais bientôt battre son prochain, là. Et son dernier, c'est un... Eliatron. Tu sais le petit tournegrin que tu m'as fait perdre, il aurait pu évoluer en ça. Ouais, genre ça te... Oh là là, tu es bouleversé par sa perte. Oh, terriblement. Ah, ça se voit. Waouh. Ça s'entend. C'est ça. Bon, par contre, je gagne beaucoup de PV là. Hein. Trancherbe. Bon, ok. Hop, bon bah moi je vais commencer. Waouh. Eh oh, t'as te calmé, Eliatron, hein. Oui, Eliatron, il tape un petit peu fort par moment. Je t'attends pour le pont. Ouais, attends. Pokémon, je vais appeler qui, moi, à la place? T'as pas du type Val ou du... Baka. Je vais appeler Baka. C'est le seul qui peut faire quelque chose. Trancherbe. Ouais. Double pied. Ouais, c'est bon. Double pied de Baka. Ça a suffi à la barre. Alors, Godslayer. Baka. Vous avez battu le rival Dragi. Kalmos, t'as gagné, ok. Bah oui, je suis trop fort pour Dragibus. Ah, tu sais quoi, ouais, je vais aller chez Léo et... Bah, avec ma team que j'ai en ce moment, je pense que oui. Ah, comme Mewtwo, je pense qu'il te fait très très mal. Du coup, t'as la Latias. Non, t'as pas la Latias, toi, hein, si? Non. Non, c'était Memory Dex. C'est dans une partie d'avant. Ouais. Une que t'as perdue parce que tu t'es retrouvé face à un garde-voir qui t'a swipé tout le monde. C'est ça.
C'est bon, je suis au mon pépite. Tu peux lancer les combats. Hop, je lance le premier. Faudrait que je trouve. Voici le mont pépite. 5 dresseurs, balayez tous pour remporter un prix fabuleux. Tu crois pouvoir y arriver? Oh là là, j'ai du mal ce soir. Waouh! T'as vu quoi pour. Rien du tout! Hop, niveau 10. Ah, oh, il m'a empoisonné. Évoli! On en parle de mon Capuma qui n'a plus d'attaque. T'as pas été au centre Pokémon? Mais si, il a des attaques. Mais en fait, j'ai remplacé Relais par Griffe. Donc du coup, il n'y a plus d'attaque, il n'y a plus qu'étonnement. C'est super. Ouais, c'est toi toute seule qui a fait ça. Hein. Bah oui. Nidorino. Bon, ça va, Nidorino, il est facile à battre aussi. En fait, ils sont tellement bas niveau que j'ai envie d'accélérer le temps, quoi. Moi aussi. Mais on peut pas. On peut que dans les que l'XP. Tu vas me dire, c'est l'XP vu qu'on est en train d'évoluer. Ah ouais, c'est vrai, j'ai Ultima Washi avec lui maintenant. Ultima Washi, Mawashi guéri. Je suis dans le bon corps. Voilà. Niveau 20. J'ai battu le premier. Bakat. Oh, casse-brique. Carrément, il apprend casse-brique. Casse-brique, c'est quoi? C'est 75. Bon, à la place de Mawashi guéri, peut-être. Ça, c'est nul pour Mawashi guéri. Et apprend casse-brique niveau 20. Ça va, niveau 20, il apprend casse-brique, je savais pas. Je suis obligé d'aller au centre Pokémon. Onyx, oh le pauvre. Ça tombe bien, je viens d'apprendre casse-brique. Et je vais lui casser ça. Allez. Alors, qu'est-ce qu'il m'envoie le numéro 2? Et là, va me sortir des team full légendaire. Non, Ammonita. Hop. Caninos niveau 21. Oh, Xatu. Togepi. Ça me fend le cœur de devoir y faire du mal. Ah mince, il a un regard vif. Ouais. Alors du coup, toi allez, go. Strato percute. J'ai eu peur. Depuis quand Xatu a ténèbres? Il l'a toujours eu. Mais c'est un type psy. Je comprends pas. Mais tu comprends pas grand chose. Love Disc. Oh, Love Disc. Hop, un tir debout. Love Disc n'a pas d'évolution en plus. Y a pas d'évolution. Oui, donc du coup, on en a pas parlé, mais en fait, on devait en parler au premier épisode, mais on l'a pas fait. Oh, clairvoyance, ça sert à rien. Efface une capacité, non. J'ai pour projet, donc je sais pas si Emo va faire va vouloir faire tout avec moi. Oh merde, Dratak. Piste là-haut. Charge. Alors, du coup, quel est ton projet? De faire tous les Pokémon, tous les jeux Pokémon par génération. Attends, je regarde si je meurs pas. C'est bon. Par génération, avec des challenges tous différents. Donc là, le premier, c'est Randomized Soul Link, Randomized Nuzlocke Challenge. Et je pense que le deuxième, ça sera un Soul Type en fait. Donc du coup, ce qui va changer avec le Soul Type, avec le Soul Link, c'est que si par exemple un de mes Pokémon meurt, le tien ne sera pas mort. Tu vois? Ah bon? Ouais, c'est le seul truc qui change en fait. Le Soul Type, c'est genre chaque personne a ses Pokémon. Ouais, et après, j'avais pensé à faire le Nuzlocke route 1, route 2, comme t'as vu tout à l'heure là. Ouais, comme je t'ai envoyé. Ouais, où on capture les 6 Pokémon, les 6 premiers Pokémon qu'on rencontre. T'imagines? Et on doit finir le jeu avec les trois là. On le randomiserait du coup pour avoir des Pokémon un peu quand même stylés quoi. Oh lui il fait pas explosion lui. Attaque, relais. J'adore parce qu'en fait il y a mon truc qui arrive.
Le seul truc que je peux faire avec, c'est relais. Donc du coup, je fais directement relais. Ça sert à rien. Ok. Bah non, t'accumules pas les effets, là. Bah non. C'est pour ça, je vais attendre qu'il ait... Bah du coup, là, j'accélère parce que je me fais un peu chier, là. Eliatron. Allez, j'ai regardé si dans mes CT, j'ai pas une CT qui me permettrait de... De la donner à Cap Humain, Blabla Dodo, Éboulement, Doux Baiser. Demande. De... ok. Qui peut apprendre Éboulement? Bien sûr. Blabla Dodo. J'ai pas de Pokémon qui font repos. Ronflex. Pareil pour Ronflex. Hein. Ronflex, on le capture et on l'échange directement avec un Pokémon de la zone qui est le plus proche de lui. Ouais. Donc, du coup, on aura deux Pokémon de deux zones différentes, du coup. Vu qu'on a le Ronflex. Près de Carmin et le Ronflex ouais. À... C'est non, à Dopol. Ouais. Hop, moi je suis en train de faire le dernier. Pas encore, moi je suis encore sur... Démenta. Oula. Oh, Démenta, c'est pas compliqué. Oui, mais j'ai pas de Pokémon qui passe de type électrique ou plante. Le dernier avant le truc là? Oui. Avant le gars de la Team Rocket, bah, je suis arrivé au dernier aussi. Oui, il n'y en a qu'un. Branette. Il fait pas de mal. J'ai défoncé Branette. Je vais lui faire jet de sable. Comme ça, je lui diminue sa précision. Il fait... Oh, il fait sabotage. Wow, il m'a fait un coup critique. Oh, malédiction, il va se tuer lui-même. Oh, c'est trop bien ça. Ouais, parce que là, je vais faire un changement Pokémon tout simple. Parce que j'ai peur qu'avec le relais, il transfère aussi Cauchemar, en fait. C'est con, hein, mais voilà. Je préfère... Bon, par contre... Je me soigne vite fait et je vais m'occuper de la Team Rocket. Moi, c'est pareil. Je vais me soigner et je m'occupe de la... du gars de la Team Rocket. Après, je sais pas si toi tu vas pouvoir émuler Rosa. Je sais pas du tout parce que je sais que qu'on a 2-3 composants à changer sur le PC actuellement. Ouais, je sais, un SSD. Ouais. On avait dit quoi, SSD, disque dur à changer sur le PC. Tu veux changer SSD juste le SSD. Bon, je lance le combat contre Rocket. Ah, moi je suis déjà dessus en fait. Désolé. Oh non, il m'a empoisonné! Oh, Papillusion. N'empêche, ce serait bien qu'il y ait une ROM où on joue un membre de la Team Rocket. Mais je pense qu'il y en existe, hein, mais il faut hacker la ROM pour genre que tu aies le droit de capturer le premier Pokémon, enfin que tu aies le droit de piquer le Pokémon de l'adversaire en fait. Ouais. Mais je sais qu'il y a un jeu où tu joues. C'était qui en face? Ah, Fantominus. Moi, j'ai eu un... Moi, ah, toi aussi t'as eu un Fantominus? Ouais. Bon, on va capturer Alpo. Ah, je vais chercher la CT en haut. Bah moi piqué. J'espère que j'ai un antidote parce que sinon je dois... Ah bah je t'attends. J'ai pas d'antidote. Bah cours un, au centre Pokémon. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... C'est largement. Non, largement. J'ai pas regardé ses PV, mais je pense que j'en avais dans les 59, donc c'est bon. Ouais, on va les capturer. J'allais chercher ma CT là. Un truc bien. Qui me booste. Au moins qui me booste. Poudre toxique. Ouais. Quoique, comme ça, je vais pouvoir empoisonner les méchants, les adversaires. Poudre toxique. Ah, mais je crois que c'est une. Ouais, ça a 75% de. Bon, du coup, on va aller. Attends, je mets mon petit ectoplasma en premier pour qu'il. Ouais, non, moi je vais mettre.
Yeti en premier, il a pas aimant. Et je suis parti. Moi aussi. Mais c'est un... Oh putain. Et moi, c'est un tournegrin. Non. Et c'est... Et en plus, c'est même pas un doublon parce qu'il est mort, l'autre. Bah oui. Donc Bah ça va, on a deux Pokémon nuls à deux. T'as eu quoi, toi? Anorit. Oh. C'est niveau 30 qu'il évolue en... Mais ça va, eux, on n'est pas obligé de les prendre, on a déjà nos Pokémon. Du coup, Anorit, donnez à son nom Anorit, oui, je vais l'appeler Moche. T'es moche. Non, pas moche, il est bien. Fake, je vais l'appeler Fake. Fake. Non. Comment je vais l'appeler? Ouais, il veut pas rentrer dans sa Pokéball, le tournegrin. Uldan. Ah. Uldan. Voilà. Donner un surnom tournegrin, oui. Résurrection. Moi je fais le dresseur. Hein. Non, pas lui. Pas lui. Ouais, c'est ça, appelle-le pas lui. Oh, Articodin! Brume, ok. Bon, bah j'ai tué Articodin. Godslayer. Merci Godslayer. Hein. Je défonce tout avec Godslayer. C'est un truc de dingue. Belinda. Bon, voilà. Et la lait. N'oublie pas que là, tu vas devoir... On va affronter plein de dresseurs. Non, j'aurais pu avoir mes tangs. Ah, j'ai pas regardé qui j'aurais pu avoir. J'aurais pu avoir un... Registeel! Démolos! Non, j'aurais pu avoir Démolos! Non! On peut pas utiliser un Moche Close. Non, ça c'est... Il y a l'autre route à côté où il y a ouais. À côté des dresseurs. C'est ça, ouais, la route 25. Je fais le montagnard. Ok, bah, je vais le faire aussi du coup. Bon. Lupion. Ça va aller vite. Et Ammonita. C'est Yeti qui est en premier donc... Oh, cage éclair. Voilà. Oh, le Vénard, ça va être long. Oh, quoi que non. Bah non, je cherche chez physique. Bah non, c'est bon. Ça va être long. Oh, il est pas... Ah, par contre, je suis paralysé, donc du coup... Oh non, combat de Hocoque. Il va faire que des Hocoques. Bon bah du coup, c'est Stalactite, hein. Excuse-moi, mais... Bah, t'attaques sur le spécial, là. Ouais, mais du coup, je l'ai rendu confiant en même temps. Et là, je lui fais des charges. Bon, bah, c'est bon. Je suis là, j'attends. Attends, je change. Je mets mon petit Ecto. Oh là, il a pris cher, Ecto, passe-moi, par contre. J'ai le soigné. J'ai une potion, normalement. Voilà, c'est bon. Attends. Ouais. Tac. Tac, 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 tac. Voilà, c'est bon. C'est parti. Oui! Oui! Oh oui! Oh oui! Hein? Typhlosion! Milobilis! Oui! Trop cool! Typhlosion, sable volant. Oh oui! Je suis trop content, Milobilis! C'est bon, j'ai capturé. Ouais, je l'en c'est dehors. Le retour de Ariel! Ah bah, Ariol du coup, hein, parce que c'est un garçon. Voilà. Moi, ça y est, il est attrapé aussi. J'ai appelé Triton. Comment on va l'appeler, lui? Ah, je suis content! Ariel! Enfin... truc! C'est pas Ariel. Volcano. Volcano? Ah, oui. Je pensais que tu avais... Je pensais que t'avais eu le Pokémon Volcano, je veux dire, mais non, c'est pas possible, c'est dans la 5ème G, ça. Dans la 6ème? Dans la 8... Là, on arrive à la 8ème G. Ils sont à la 8ème, 7ème, c'est Alola. 5ème G, ouais, c'est 6ème G. Voilà. Avec Amphinobi... Bon, attends, du coup, moi, je vais aller regarder les stats de mes Pokémon, du coup. Oui, moi aussi, du coup, j'en profite. J'ai été me... Alors, du coup, déplacé. Oh putain, je suis trop content, Milobilis.
Résumé. Brasier. Nul. Bon, ça sert à rien. Puis cela haut, ligotage tourniquet. Ok. Et toi, t'as eu statique. Ah, ouais. Oh, c'est bien. Bon, bah, du coup, ça va. On a quand même. Bon, moi, j'ai deux Pokémon. Attends, j'ai Roche Insecte et eau. Alors. Résumé. Il bah, a sable volant. Sable volant, ouais, comme tu l'avais dit. Il a charge, gros yeux, brouillard, flamèche, mais en même temps, il est niveau 8, donc. C'est pas... ça. Ouais. T'as de la chance, t'as eu Typhlosion, toi, putain. Je suis content, j'ai. Sport pour. Non, pas lui. Ah ouais, c'est vrai, il était roleplay, lui. On avait dit qu'il était roleplay. Oui, non, mais là, le deuxième a aussi pose sport. C'est le même, c'est normal, c'est le même. Les talents, ils sont aléatoires, mais ça sera toujours le même sur le Pokémon, en fait. Du coup, on continue ouais, oui, hein, je soignais juste mes Pokémon. Je pense qu'on va. On va aller jusque Léo, on fera Léo et on arrêtera après Léo. Voilà. Je pense que ça devrait faire. Bon, moi, je continue. Hein. J'essaie de faire un combat double. Peut-être qu'il va y avoir un combat double. Smogo. Bon, bah, du coup, Phasmophobia, Ténèbres. Hop. Oh, ils ont évolué d'un coup, les Pokémon, là. Crise acier. Smogo, enfin, ils ont évolué, ils sont au niveau 17 d'un coup, là. Ah, moi, il est niveau 15, le crise acier, en face de moi. Non, mais c'est... On folie. Crise acier, corps ardent. Carrément. À la place de l'échoue, il échoue, ça sait plus rien, maintenant. On va faire une folie. Pokémon, on va appeler quelqu'un parce qu'il est niveau 21, donc on va prendre. Hop, tac, 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 hop. Bon, moi, va falloir que j'aille. J'ai envie de faire un combat double. Est-ce qu'on peut faire un combat double? J'ai pas de... d'anti-brûle. Mimigal, j'ai eu en face de moi. Moi, j'ai eu un crise acier corps ardent. Ah, ouais, carrément. Béquipan. D'où que crise acier peut avoir corps ardent? Bah d'où Wow. Coxycloc. Wow. On va se calmer, Béquipan, là. Hein. Bah Béquipan, il m'a fait cruel. Et j'ai voulu l'attaquer, mais comme j'étais confus, bah je me suis tapé dans ma confusion. Baka, mais il peut pas prendre puissance. Ah oui, puissance, ça fait quoi? Ça augmente le coup prochain, ouais. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul. Ça sert à rien. Du coup, je vais me soigner. Parce que je viens de prendre cher d'un coup, là. Oh, Régis. Bon, ce qui est chiant, c'est parce que je vais pas pouvoir utiliser Milobidus, moi, pendant un moment. Parce que j'ai déjà deux Pokémon haut dans mon équipe. J'ai pas envie d'en avoir un troisième, tu vois. Bah après, c'est chiant pour passer à un Pokémon qui sera de type plante, électrique, tout ça, quoi. Ouais. Morpheo. Double pied. Hop, KO. Voilà, tu vois, vu que c'est j'accélère, tu vois, vraiment quand ils font la pluie et tout, comme ça, là, c'est chiant, là. Coquille perle. Moi, je suis arrivé au... Attends. J'ai battu qui? Ah, peut-être que je change Baka, parce que Baka est niveau 22 maintenant. Il avance par rapport aux autres. Mewtwo. Electrode. Je suis arrivé à la fille campeur, moi. Et toi? Je suis au... Montagnard? Oui, au Montagnard, juste en dessous de la CT. Ah, pareil. Mais... Oh, je peux pas l'attaquer. C'est là que j'aimerais bien avoir... Un Pikachu. Quoi? C'est là que j'aimerais bien avoir un Pokémon... Et un Lilia. Oh, Tartar. Hop, ça c'est bon. On va changer le Pokémon en tête. Ah, y'a que des Pokémon combat, le gars. Putain, Mewtwo, il aurait pu faire le café, là. Putain. Mais j'ai dû changer ce qu'il y avait à Medina. Hop, hey, je suis cool, j'ai une copine aussi. Ah, c'est Le campeur. C'est ça, ouais. But bizarre, bon, allez, go. Tilton, pour commencer. Ah, but bizarre, il est mort. Bah, avec Mewtwo choc mental...
Ah, y'a McQueen, elle me fait des coups critiques. Et un Solar Rock. Moi, un Onyx. Bon, bah, il est mort. Deux coups critiques, enfin, un coup. Deux petits psychos, ils sont morts. Bon, bah, voilà, c'est fait. J'allais chercher tout de suite un CT. Moi aussi. Zut. Ah, elle va prendre morsure. Oui, elle va oublier un truc, elle va oublier rugissement pour prendre morsure. J'ai la CT41. Ah là, c'est la meilleure attaque. C'est quoi? Charge. CT16, régénération. Allez, gamin. À toi le gamin. Un combo essayé par gamin Cédric. Monsieur Mime. Oh là là, monsieur Mime. Monsieur Mime. Un professeur de trop ici. Allez, choc mental dans ta bouche. M'arrête. Est-ce que tu vas. Oh non, mais non, c'est vrai, tu vas résister toi. Oh, il a fait. Oh. Allez, écremeux. Est-ce que écremeux, je la tue en un coup? Oui. Je la tue en un coup. Par contre, 600. Par contre, je vais changer de Pokémon parce que là, je suis à travers. Poppy. Adapte Poppy à toi. Capuma, j'espère qu'il va apprendre des techniques bien. Oh, Nidoqueen. J'ai bien fait, tiens, adapte. On va tire changer debout. De Pokémon parce que là, elle se retrouve à 37 PV. Qui? I am a queen. Ah, Nidoqueen. Et là, je viens de me rendre compte que j'ai une équipe entièrement féminine. Ah ouais, carrément. Ouais. Non, moi non, je dois avoir des garçons, je crois. Je dois avoir des filles et des garçons. J'ai deux filles, deux garçons et... Non, deux filles, trois garçons et un non-genré. Enfin, un légendaire, ouais. Quoi. Et il y a Metalos qui, lui, n'a pas de genre... Genre, non plus, tu vois. Ouais, c'est pour ça. Poppy. Tu es mort, Poppy. Allez, tire debout. Bim. Ouais, c'est bien, à partir de demain, je suis... Enfin, j'ai moins d'heures. Oh oui. Elle va apprendre berceuse. Qui? Le venard. PV. Ouais. C'est bon, je suis arrivé à... Il n'y a pas des objets ici? À la place de Torgnol. Je suis à Léo, je t'attends, du coup. Ouais, ouais. Je suis en train de finir... le Krabi en face. Y a pas à dire, avec Ultima Point en face en plus. Tu m'étonnes. Voilà. Ah bah, l'euphorie. Berceuse Ultima Point. Hop, c'est bon, je vais parler au Léo. C'est bon. Attends, deux petites minutes. J'envoie un message. J'ai oublié d'envoyer un message à mon oncle pour lui dire que j'étais bien rentré. Oh là là. Sacré neige. Voilà, c'est bon, j'y suis. Ouais, moi aussi. Je suis un Pokémon. En fait, non. Appelle-moi Léo, je suis un vrai Pokémaniaque. Tu ne me croiras pas. Mais c'est vrai, j'ai raté une expérience et me voilà changé en Pokémon. Tu me crois maintenant? Tu m'aides alors? Bah oui. Je vais dans le téléporteur. Attends que je sois dedans et lance le programme sur mon PC. Il y a plein de Pokémon en fait qu'on va avoir comme ça. Loclass, Evoli, on va pouvoir rattraper un deuxième Pokémon. Loclass, on va pouvoir rattraper un deuxième. Et c'est tout, je crois. Il n'y en a que deux. Iki enclenche le téléporteur. Alors. Faut lui reparler. Yahoo! Merci, mec! Je t'en dois une! Bon, tu es venu pour voir ma collection de Pokémon? Non! Tu rigoles! Bon, ben, prends ça en remerciement. Hop, on prend le base. Ah, c'est vrai, il y a le passe-bateau à faire. Ça va être long, le passe-bateau. Je suis invité à leur fête, mais je ne supporte pas ces marioles. Vas-y à ma place. Ok, sans souci. Allez, on y va. On va jusqu'en bas et on arrête là ou on fait l'arène? Oh, on va jusqu'en bas et on s'arrêtera là. Parce que ça fait déjà une petite trentaine de minutes. C'est ça. Bon, allez, du coup, hop, on va sauvegarder. Hop là. Et nous revoilà, Azuria. Voilà, c'est bon, j'ai sauvegardé. Moi aussi.
Et voilà, on va se dire à bientôt. Du coup, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et de nous donner, bah voilà, de nous donner des défis pour la génération suivante, je pense. Parce que vu qu'on enchaîne les trucs et que je vais les poster, je pense que je les posterai à partir du moment où nous, on sera arrivé à Carmin-sur-Mer. Tu vois ? Comme ouais. Ça, on sera un petit peu en avance, etc. On reviendra, etc. N'hésitez pas à nous poster des petits défis qu'on pourrait faire. Ça peut être sympa. Et bah nous c'est pareil, nous je pense aussi qu'on je vais réfléchir de mon côté des petits défis pour la génération suivante. Alors c'est soit on l'a fait en Soul Tip Challenge, comme je t'avais dit tout à l'heure. Oui. Donc le Soul Tip Challenge, c'est genre on va commencer le jeu, le starter on va le virer, on va prendre le premier Pokémon qu'on rencontre. Genre par exemple ça va être un Makuhita c'est type combat. Et bah le deuxième Pokémon qu'on va pouvoir capturer sera obligatoirement de type combat. Enfin, et par exemple, il faut qu'il y ait deux types. Genre, par exemple, type combat ténèbres. Je sais qu'il y en a. C'est qui combat ténèbres? Ah bah non, c'est l'ours. Panda Bar. Ouais. Mais il n'y a pas d'enjeu. Ou sinon, on peut faire battre la ligue avec des Pokémon les plus mignons. Bon, on verra. Bah, ça sera peut-être pour la troisième, ça. Ouais. Rosa, ça peut être bien. Il y en a pas mal, en plus. Enfin, voilà. Moi, je vous dis... On vous dit... Excusez-moi. À très bientôt et on se retrouve pour un prochain épisode. Voilà. Bye. Bye.